Lyra McKee avait 29 ans. Elle a été tuée par balle jeudi soir en exerçant son métier de journaliste en Irlande du Nord. La jeune femme couvrait les affrontements de Londonderry entre les forces de l'ordre et des manifestants de la Nouvelle IRA, un groupe républicain dissident luttant pour la réunification de l'Irlande quand elle a été tuée. Sur son site internet, The Irish News affirme avoir reçu une déclaration contenant un message codé de la part de la Nouvelle IRA. Ce groupe admet sa responsabilité dans la mort de la journaliste et présente ses sincères et entières excuses à la partenaire, à la famille et aux amis de Lyra McKee pour sa mort. Les funérailles de la jeune femme auront lieu mercredi à la cathédrale Sainte-Anne de Belfast. Sa compagne invite les personnes présentes à se vêtir de t-shirts en lien avec Harry Potter, se disant certaine que Lyra aurait apprécié cette idée. Ce drame rappelle les heures sombres des troubles qui ont déchiré la province britannique de l'Irlande du Nord pendant 3 décennies. Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour lui rendre hommage.